Tâche de manier ton petit postérieur. Tu vas à la prison et tu y restes jusqu'à ce que tu aies parlé avec lui. Et quand je dis parler, je veux dire que tu aies sa signature et que tu décroches un acompte. T'as compris? Maintenant, Henri, vous allez appuyer un peu plus fort sur le champignon. Nous avons $1 million qui arrivent dans cet avion, fiston. Ah, autre chose. Et autre chose, j'y vais. Débrouille-toi pour que ce contrat pour le livre soit signé. Il n'y a que de cette façon qu'on pourra se faire payer. Il a fait beau ces jours-ci. Magnifique, madame. Hier, il faisait 40 degrés. Oh, formidable. J.B. Fletcher, je vous aurais reconnu entre mille. Monsieur Porter. Milton Porter, à votre service. C'est un grand honneur de vous accueillir au Texas Tilt, dont la photo que vous m'avez envoyée. Elle ne vous avantage pas. Merci, vous m'envoyez très flatté. Je suis tellement fier. Tellement fier que vous soyez venu témoigner. Vous savez, quand j'entrerai dans cette salle d'audience avec vous à mon bras, ces véreux vont faire une gueule. Oh mince alors. En fin de compte, je suis ravie de venir témoigner en faveur d'Harold Endicott. C'est vraiment incroyable. Comment peut-on accuser un homme comme lui de plagiat? Accuser est une chose, le prouver en est une autre. Nous avons flanqué un procès pour diffamation à ces vautours et on leur réclame $6 million de dommages et intérêts. Une fois qu'on en aura terminé avec ces véreux, ils n'auront plus que leurs yeux pour pleurer et ils se retrouveront en caleçon. À vrai dire, monsieur Porter, ce n'est pas l'argent la question importante, mais plutôt le fait qu'on ait terriblement sali la réputation d'écrivain de monsieur Endicott. Oui, oui, je suis d'accord. D'ailleurs, c'est ma ligne de conduite. Je mets les principes avant tout. Je ne vous dirai jamais assez ma satisfaction. Monsieur Porter, mon témoignage est prévu pour quand? D'un jour à l'autre, madame Fletcher. En attendant, j'aimerais vous faire connaître de très bons restaurants. J'ai déjà prévu un cocktail pour le week-end. Vous n'aurez pas l'occasion de vous ennuyer. Ah, madame Fletcher. Oh, est-ce que ça va, madame? Je suis vraiment désolé. Ça, vous pouvez l'être. Ça va? Ça va aller. Aidez-moi à me relever. Ça devrait aller. Voilà. Ça va aller. Faut dire que c'est douloureux. Oui, Henri, venez m'aider à la montée dans la voiture. Soyez sans crainte, madame Fletcher. On va vous conduire chez le meilleur toubib de tout l'État du Texas. Oh, je vous remercie. Ce n'est certainement qu'une contusion. Henri, je vais conduire la petite dame chez le docteur Sam. Vous, vous resterez ici. Et occupez-vous de lui faire établir un constat de la police. Relevez aussi le nom et l'adresse de tous ces témoins. Oh, monsieur Porter, c'est inutile. Oh, cette affaire sera vite réglée. On ouvre et on ferme le dossier. Considérons que ça peut rapporter dans les $50 000. Oh, voyons, c'est tout à fait ridicule. Vous avez raison. Nous demanderons $100 000. Maintenant, installez-vous et détendez-vous. Eh bien, madame Fletcher, en ce qui concerne les mauvaises nouvelles, vous avez une fracture du 5e métatarsien. Oh, Seigneur. Mais pour ce qui concerne les bonnes nouvelles, la fracture est sans gravité. Nous allons donc vous faire un plâtre de marche et dans quelques heures, vous pourrez clopiner là où vous voudrez. Vous avez raison, docteur Garver. C'est vraiment ce qu'on peut appeler une bonne nouvelle. Voilà qui me plaît. C'est une attitude positive. Et entre nous, j'ai docteur Sam. Je reviendrai vous examiner plus tard. Merci, docteur. Docteur Allison. Excusez-moi, docteur. Oui? C'est au sujet d'un des patients de mon service, Barney Ogden. Oui.
Je sais. Mademoiselle Wells, je suis parfaitement au courant de ses plaintes. Cet homme n'a absolument rien. C'est vrai, rien qui apparaisse dans les examens. On est donc d'accord. C'est fort heureux. À plus tard. Quel effet ça fait? Un effet de chaleur. Vous ne devriez plus enfler. Pour plus de sécurité, je veux que vous passiez la nuit ici. Oh, entendu. Et si votre jambe continuait d'enfler, je veux que vous le signaliez immédiatement. Oh, cela va de soi. Je ne suis pas du genre héroïque. Le pire, ça va être les démangeaisons. Vous êtes de Chicago, non? Comment? Ça se devine. J'ai un cousin qui a cette habitude de dire « je veux » sans arrêt, comme vous. Il est né et a été élevé à Chicago. Je suis du sud de Chicago, Mme Fletcher. À plusieurs centaines de kilomètres. C'est ici qu'a lieu la fête sauvage, hein? Mademoiselle Brooks. Oh, trésor, on va être comme deux sœurs jumelles. Je vais troquer ce vieux fauteuil grinçant contre un de ces machins. Oui, ça a l'air inconfortable. Comment vous êtes-vous fait ça? Moi, c'est au bal en dansant la gigue texane. Quand j'étais jeune, j'étais championne. Un petit peu plus, mon ange du paradis. Vous pourriez attendre qu'on soit sortis d'ici. Le café et le plat ne vont pas ensemble. Vous trouvez pas qu'on est bien traité ici? Cigarettes, whisky, sexe. Ah, mon plâtre est parti. Hein. Un plâtre de parti, 10 de retrouver. Il a dit, beau gosse. Ah, plus tard, si vous voulez, on peut faire une course dans les couloirs. Hein. Faire la course dans les couloirs. Oh. Bien sûr, j'imagine qu'en cette saison, le Maine doit être magnifique. Oh, le Maine est magnifique en toute saison, Mademoiselle Horton. Je dois pourtant avouer que l'état de neige de 4 mètres de haut ne me tente guère. Vous voulez ma carte? Quelle carte? Mon assurance hôpital. Ah, non, ici nous n'acceptons pas ces cartes. Ah, ben dans ce cas... Non, Madame Fletcher, ne vous inquiétez pas de la question d'argent. Nous savons très bien qui va payer les pots cassés. Marc, je confasse tous les examens nécessaires. Ne lésinez surtout pas. Nous ferons le nécessaire, Monsieur Porter. Mademoiselle Wells va vous conduire dans votre chambre. Et j'espère que vous apprécierez votre séjour parmi nous. Je l'espère, moi aussi, à condition qu'il soit bref. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, j'accourrai. En attendant, je vais aller négocier avec la direction de l'aéroport. Monsieur Porter, il s'agit d'un simple accident. Je ne veux pas intenter un procès. Je vous en prie, madame, taisez-vous. Si tout le monde était comme vous, nous, les avocats, nous serions tous sur la paille. Bonjour, Jenny. Bonjour, docteur Kenyon. Vous connaissez madame... Oui, madame J.B. Fletcher. Enchantée. Bonjour, docteur. À la façon dont votre avocat hurlait au téléphone, tout le monde dans l'hôpital est au courant de votre accident. Je peux jeter un coup d'œil? Bien sûr. Comment vous sentez-vous? Oh, très bien. Le docteur Ellison a fait du bon travail. Ellison, oui. Disons que ça a l'air bien. Et si jamais ça enfle un tant soit peu, faites-le-moi savoir. Il risque d'y avoir des ennuis si un plâtre n'est pas posé correctement. Jenny, vous viendrez à la réception du docteur Sam? Non, je crains de ne pas être en odeur de sainteté. Et puis, de toute façon, je suis de service. Oh, c'est dommage. À plus tard, madame Fletcher. C'est curieux. Quoi? Cette réaction qu'a eue le docteur Kenyon quand je lui ai parlé du docteur Ellison. Vous l'avez vu? Quand le docteur Sam est dans les parages, il se chamaille comme deux collégiens. Et ce genre de rivalité, n'est-ce pas un peu infantile? Non, pas pour eux. Et on ne peut pas les en blâmer. L'année dernière, un des médecins de l'équipe a été viré. Le docteur Sam a fait courir la rumeur qu'il était incompétent. Depuis, il n'a pas retrouvé de travail. Qu'est-ce que ça a à voir avec Ellison et Kenyon? Moi, ce qu'on dit, le docteur Sam a l'intention de remplacer l'un des deux. Oh, un seulement? Oui, et on ne sait pas lequel. Ah. Le docteur Sam ne leur a pas dit. Ce qui fait qu'ils sont plutôt à couteau tiré. Là, posez le pied. Ah, voilà. Venez. Oh, parfait. Tournez-vous. Oh, est-ce qu'on dirait le docteur Sam Garver semble avoir de grands pouvoirs? C'est le moins qu'on puisse dire. Un reproche de sa part et ça peut être la fin de toute une carrière. Vous êtes bien installé? Ah oui, je vous remercie infiniment. Bon, si vous avez besoin de moi, vous sonnez. Alors, à plus tard. D'accord, merci. Bon. Et
tâchez de conduire prudemment. Je ne voudrais pas vous retrouver à l'hôpital comme patient. Allez, bonsoir. Bonsoir. Chaque année, tu te réserves une semaine dans cet hôpital comme si c'était une station balnéaire. La seule raison, c'est que j'aime prendre soin de mon corps et que j'estime que c'est la meilleure façon. Je ne suis pas prête à me laisser aller comme certains que je pourrais nommer. Docteur Sam, savez-vous que Billy me reproche de venir chez vous pour me soigner? Oh, Mélanie, ferme-la. Il n'y a qu'une seule chose qui ne va pas chez toi, c'est que tu parles tout le temps à tort et à travers. Continue comme ça, mon chéri. Et chez toi aussi, il va y avoir quelque chose qui ne va pas aller, parce que tu te retrouveras devant le juge. Porter s'occupera du divorce. Pourquoi choisissez-vous toujours mes réceptions pour vos scènes de ménage? Qu'en pensez-vous, Kenyon? Je ne prends jamais position dans les querelles conjugales, c'est beaucoup trop dangereux. Vous savez ce que j'aime chez vous? Votre aptitude à prendre des décisions. Quoi qu'il en soit, je viendrai demain pour faire effectuer mon bilan de santé. J'imagine que vous ne faites pas de forfait au week-end. Qu'est-ce que ça peut te faire? À présent, il s'agit de mon argent, de mon bétail, de mon pétrole, de mon séjour à l'hôpital. Sauvé par le gong. Désolé, mais pour ces examens, il me faut votre autorisation, docteur. Non. Et à l'avenir, veuillez prendre note de ne plus jamais m'appeler à mon domicile. Je dois m'en aller, je prends mon service dans 3 quarts d'heure. Et de toute façon, je vais renvoyer tout le monde. Le dîner était excellent. Je vous remercie pour votre invitation. Mais de rien. Ah, en parlant d'invitation, j'ai demandé à Ellison de venir déjeuner ici dimanche. Je ne peux pas faire de favoritisme. Excusez-moi, la machine a avalé les pièces qui me restaient. Je me demandais si vous aviez la monnaie d'un dollar, monsieur Ogden. Non. Rien d'autre? Oh, désolé de vous avoir dérangé. Excusez-moi, j'ai besoin de monnaie. Mademoiselle Horton. Oh, Madame Fletcher, vous ne devriez pas être debout. C'est parce que je voulais boire un thé. Mais on vous l'aurait apporté dans votre chambre. Oh, je ne voulais pas vous déranger. Vous avez tellement de gens ici qui sont vraiment malades. Ne me parlez pas de responsabilité, Ellison. Je n'ai pas l'intention de supporter la responsabilité de vos conneries. Ça suffit, Kenyon. C'est pas à vous de me dire comment je dois diriger cette équipe. C'est pas parce que vous avez une cravate qu'il faut vous prendre pour un chef. Moi, au moins, j'en porte une. Bon, si vous avez à me parler, faisons-le en privé. D'accord. Qu'est-ce qui vous prend de m'humilier comme ça devant le personnel? Vous n'avez pas besoin de moi pour ça, mon vieux. Dites donc, un ton plus bas, s'il vous plaît. Écoutez, j'en ai assez de vos conneries. Bientôt, vous n'aurez plus de soucis. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous allez bientôt dégager. C'est le vieux en personne qui me l'a appris. Vous êtes un crétin, seulement vous êtes trop borné pour vous en rendre compte. Vous auriez pu faire ce que vous vouliez depuis votre arrivée, mais cette fois, Garver vous a pris en défaut. Ça vient de chez le docteur Sam Garver. Pas de réponse. J'allais voir. Thank you.
Dites-moi, vous en avez de la chance. Le docteur Ellison vous a prescrit ce que nous avons de meilleur ici, les fameuses crêpes aux pommes du docteur Sam. Elles sont mondialement connues, enfin, tu vois ici. Elles ont l'air délicieuses. Ce n'est pas ce que j'appellerais de la nourriture d'hôpital. Bien, pour dire la vérité ici, ce n'est pas exactement un hôpital. Ce que je veux dire, c'est que lorsque des gens riches et gâtés tombent malades, on doit continuer à les choyer comme ils en avaient l'habitude. La règle numéro un du docteur Sam Garber. Bonjour. Oh, ça va, Georgia, allez draguer un petit interne sympa. Vous avez vu le journal? Finalement, vous avez eu droit à un article en troisième page. Oh! Il semblerait que ce monsieur Porter ne perde pas de temps. Oh, ça oui! Il pourrait faire pousser des marguerites au pôle sud si ça lui venait à l'idée. Jenny, voudriez-vous m'apporter un monceau de crêpes et un pot de café? Pour les crêpes, d'accord, mais pas pour le café. Le docteur Kenyon a su par le docteur Sam que vous étiez beaucoup trop agité. Il a été décidé jusqu'à nouvel ordre que vous seriez mise au jus de carotte. Ce truc a vraiment l'air empoisonné. Bonjour, Jenny. Excusez-moi, Madame Fletcher. Il me semble que je vous dois des excuses à propos de ma conduite d'hier soir. J'ai été grossier. Non, pas du tout. N'en croyez rien. Vous connaissez Sadie Winthrop? Barney Ogden, madame. Salut, Barney. Prenez donc un siège. Vous voulez un verre de jus de carotte? Je vous donne le mien. Non, sans façon. Oh, mais qu'est-ce qu'il y a? Vous suivez un régime? Non, tout va bien. Ça va bien, enfin, c'est ce que tout le monde dit. À $1,000 la journée, je vais bien. Oh. Marge. Qu'est-ce qu'il y a? Que se passe-t-il? Le docteur Sam est mort. Quoi? Il a été assassiné hier soir. Comment a-t-il été assassiné? Selon les informations à la radio, quelqu'un se serait introduit dans la maison par effraction. Oh mon Dieu, pauvre Marge. Puis-je vous être utile? Madame Fletcher? C'est ça? Je suis le lieutenant Roy Jenkins. Brigade criminelle. Puis-je vous parler un instant? Oui, bien entendu. Asseyez-vous. Merci, madame. Oh. Permettez. Je les pose derrière vous. Je suis chargé de l'enquête sur la mort de Sam Garver. Ah oui? J'ai appris votre accident par le journal, j'en suis désolé. Merci de votre gentillesse. C'est pour cette raison que vous êtes ici? Une visite de sympathie? Non. En fait, je ne sais comment le dire, mais je voulais seulement vous demander votre aide. Me demander mon aide? Pourquoi faire? Pour résoudre un meurtre. Commis par un cambrioleur? Oh non, lieutenant, je regrette. Je ne suis pas certain que c'était un cambrioleur. Voyez-vous, nous avons trouvé le corps du docteur près de la porte d'entrée dans le bassin à poissons rouges. On a pu le déplacer, bien sûr. Oh. Et la balle qui l'a tué est entrée dans le corps sous un angle de 45 degrés. Ce qui veut dire que le docteur devait être assis ou qu'il a été tué par un joueur de basketball. Jusqu'à présent, nous n'avons personne dans nos fichiers mesurant 2,20 m. Je ne suis pas certaine de pouvoir vous être d'une grande utilité, lieutenant. Madame, je viens tout juste d'être mutée ici. Avant, j'étais dans un quartier plutôt chaud. Alors, pour moi, un meurtre, c'est quand un type dans un bar tue un autre type dans un bar. Mais ces gens-là, c'est autre chose. Je ne sais pas parler à ce beau monde et encore moins lui poser des questions. Roy, c'est bien votre prénom? Oui, madame. Peut-être que nous devrions nous rendre sur les lieux du crime. Ça ne sera pas long. La maison du docteur n'est qu'à 5 minutes d'ici. Ça, c'est le contrôle du signal d'alarme. Montrez-moi comment ça fonctionne. Avant de sortir, vous actionnez cet interrupteur pour la mise en marche. Et quand vous rentrez, vous avez 60 secondes pour composer le code exact pour le déconnecter. Et si on ne le fait pas? Si on ne procède pas ainsi ou si on compose un mauvais code, une sonnerie se déclenche dans le bureau de sécurité. Alors d'abord, ils appellent la maison pour voir si on s'est trompé. Et si le code correct n'est pas donné ou si personne ne répond au téléphone, ils envoient quelqu'un pour vérifier. Et c'est ainsi
qu'ils ont découvert le corps de Garver. Et ça s'est passé quand? À quelle heure l'homme de sécurité est arrivé? 23h15. L'alarme s'est déclenchée à 23h06 dans leur bureau. La voisine d'à côté a déclaré avoir entendu ce qu'elle a cru être le bruit d'un pot d'échappement de voiture au début du journal de 23h. J'imagine que c'était le bruit du coup de feu qui a tué Garver. Ça a l'air logique. Qu'avez-vous d'autre? C'est à peu près tout. À part ces clés qu'on a trouvées près de la porte. Ah, c'est curieux. Pourquoi ces clés auraient-elles été dehors? Il a pu les laisser tomber. Mais il était déjà dans la maison. Pourquoi ces clés auraient-elles été hors de sa poche? Vous avez une solution? Vraiment, je suis désolée. Mais je n'en vois pas l'ombre d'une. Madame Fletcher. Ah, bonjour, docteur Kenyon. Nous étions prêts à envoyer une patrouille à votre recherche. Où étiez-vous? En de bonnes mains, comme vous pouvez le constater. Tenez. Ah, au revoir, Roy. Si j'ai une lueur d'inspiration, je vous le ferai savoir tout de suite. Merci, madame, c'est gentil à vous. Merci. Oh, puis-je me permettre de vous demander de m'accompagner? Après ces exercices, ma jambe me fait un peu mal. Mais oui, bien sûr. Je dois reconnaître que je n'ai pas été tellement surpris. Le docteur Sam avait beaucoup d'ennemis. Oui, comme par exemple ce docteur qui l'avait renvoyé l'année dernière. Comment savez-vous cela? Les hôpitaux ressemblent beaucoup aux petites villes, docteur. Il est difficile d'y garder un secret. Le docteur Sam est un... Enfin, était un homme brillant, mais il était froid et distant. Il était sec avec certaines personnes. Mais pas avec vous. Non. Non, au contraire. J'avais toute sa confiance. Il était plus ou moins entendu que je prendrais sa succession. Il vous avait dit ça? Ah, c'est bizarre. Pas aussi explicitement, mais ça semblait assez clair. J'ai cru comprendre qu'il était tout aussi proche du docteur Ellison. Ellison? Ça, en aucun cas. Ellison n'est qu'un médecin de second plan avec une personnalité de quatrième plan. Mm-hmm. Je vous ai entendu lorsque vous vous disputiez dans le bureau hier soir. Ah, nous y voilà. Je n'aime pas et je n'ai jamais aimé Ellison. Il y a quelque chose de dangereux en lui. C'est un gosse des rues qui n'a pas su laisser les rues derrière lui. Avec lui, tout est toujours sujet à confrontation. Et lorsqu'il doit faire face à un défi, il a une attitude agressive. Vous savez qu'il a même un pistolet dans sa voiture? Ah, vraiment? Puis-je vous aider à vous allonger? Non, je vais encore rester assise un petit moment. Donc, c'est Ellison qui devait être remplacé par le nouveau docteur, n'est-ce pas? Mon Dieu, c'est vrai, cet endroit est réellement une petite ville. Docteur Kenyon, ne laissez-vous pas entendre que peut-être le docteur Ellison pourrait être responsable de la mort du docteur Garver? Moi? Je ne suis pas policier, mais docteur en médecine. Excusez-moi. Excusez-moi. Barney? Oh, Jessica, je vous en prie, entrez. Excusez-moi, je rêvassais. Vous avez eu de la visite. Un vautour nommé Philippe, mon neveu. Il rôde par ici parce qu'il s'imagine que je vais bientôt mourir. Vous n'allez pas mourir, ou peut-être que vous le souhaitez. Qu'est-ce que c'est censé vouloir dire? Ça veut dire qu'on commence à en avoir assez de voir votre tête de 6 pieds de long. Qu'est-ce qu'il y a, Barney? Vous aimez cet endroit? Vous n'avez pas d'autre endroit où aller? Non. Ma femme est morte il y a maintenant 9 ans. Nous n'avons pas eu d'enfants et tout ce qui me reste comme famille, c'est Philippe et quelques cousins en Alaska. La seule raison qui pousse Philippe à venir ici, c'est pour s'assurer que je mettrai bien son nom sur mon testament. Vous avez des amis, j'en suis certaine. Des amis? Non, je n'ai aucun ami. Ça ne m'étonne pas, mon vieux.
Vous ne prenez pas le temps de vous occuper de qui que ce soit en dehors de vous-même. Venez, JB, allons bouffer sur la terrasse. Ici, l'atmosphère devient vraiment déprimante. Écoutez un peu, Varney. Si par hasard, vous pouvez trouver un petit sourire mis à gauche dans un placard, venez vous joindre à nous. Sinon, on vous envoie l'aumônier pour l'extrême onction. Adieu. Allez, on se tire, trésor. Vous suivez, mon ange? Oui. Ça dit, vous avez été plutôt dur avec Barney. Non, c'est bien pour lui. Je connais ses zigotos. Zeb, mon mari, c'était ce genre-là. Complètement coincé à l'intérieur de lui-même. S'inquiétant pour son argent, s'inquiétant des gens qui pourraient profiter de lui, s'inquiétant tellement que ça l'a conduit droit à la tombe. Excusez-moi. Jessica! Vous m'avez été d'une grande aide. Je vous remercie beaucoup. Si je peux être utile à quelque chose, je dois bien ça au docteur Sam. Roy? Oh, Madame Fletcher. Roy, je viens de voir un de vos hommes emmener Mademoiselle Wells. Oui, madame, nous l'emmenons pour l'interroger au sujet du meurtre de Garver. Oh, mais c'est ridicule! Cette fille ne ferait de mal à personne. Je regrette, madame, mais le gardien de la sécurité qui a découvert le corps de Garver l'a repéré hier soir dans les environs de la maison. Et il l'a formellement identifié. Oh, il s'agit certainement d'une erreur. Il n'y a pas d'erreur, madame Fletcher. Vers 23h, une de mes infirmières a vu Jenny s'éclipser par la porte de service. Vous rendez-vous compte de la gravité de ce que vous annoncez? Quand quelqu'un du personnel doit sortir, il faut qu'il signe le registre avant de partir. Elle n'a rien signé. Pourquoi? Parce qu'elle était partie pour commettre un meurtre. Madame Fletcher. Monsieur Porter, aussitôt que j'ai appris que vous m'aviez demandé de toute urgence, j'ai accouru. Je vous remercie. J'en ai donc déduit que vous avez changé d'avis. Mais à quel sujet? Au sujet de notre action contre l'aéroport. J'ai déjà réuni une douzaine de témoins. Oh non. Je veux que vous voliez au secours de Jenny Wells. Qui? Jenny Wells, c'est une infirmière qui travaille dans cet hôpital. La police l'interroge au sujet du meurtre de Garver. Oui, je suis au courant de cela. Selon le procureur, ce sera vite résolu. Si le procureur croit cela, c'est qu'il souffre de déficience mentale. Elle est innocente. Innocente? Elle a pourtant été vue. Écoutez, monsieur Porter. Milton. J'ai déjà parlé à Jenny. Elle a effectivement quitté l'hôpital, mais uniquement pour parler au docteur Garver. Quand elle est arrivée chez lui, il était environ 23h10. Personne n'a répondu lorsqu'elle a frappé à la porte. Donc, à mon avis, elle a dû arriver quelques minutes après que le docteur Garver ait été tué, mais juste avant que l'homme de la sécurité n'arrive. Dans la mesure où vous croyez sa version? Bien sûr que je la crois, elle est innocente. Et je veux que vous aidiez cette pauvre fille à sortir de là. Pauvre? Oui, mais pour être franc, je vous avouerai que, qu'en ce moment, j'ai beaucoup de pain sur la planche et qu'en plus, j'ai un avion à prendre lundi pour Denver où je dois défendre un cas difficile devant la Cour suprême. Oui, et moi j'avais un livre à écrire, mais ça ne m'a pas empêché de prendre l'avion et de venir au Texas. Oui, je crois que je vous suis. Oui, je vais étudier la question. En tant que membre de l'Ordre des avocats, c'est un devoir sacré pour moi de défendre ceux qui sont sans défense, en dehors de toute considération de race, couleur, religion. Oui, oui, c'est très aimable à vous, très aimable à vous. Mais au fait, j'y pense, quand croyez-vous que je témoignerai pour M. Endicott? D'un jour à l'autre, mais j'ai fait une réservation pour vous dans un magnifique hôtel. En réalité, M. Porter, j'ai moins mal à la jambe à présent, mais... J'ai pensé que je resterai ici encore quelque temps, jusqu'à ce que les choses soient réglées. Je reste en contact avec vous. Tous mes voeux de rétablissement. Merci. Assurer qu'elle le restera. Elle le restera, sauf s'il y a de nouveaux éléments. Si vous voulez des éléments, je vous conseille d'orienter vos recherches dans une autre direction. D'ailleurs, ça m'amène à autre chose, lieutenant. J'aimerais revoir le lieu du crime. Auriez-vous une idée?
Non, 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 rien de bien précis, mais il y a quelque chose qui me dérange et je ne sais pas quoi. Je passe vous prendre dans une demi-heure. Mélanie, tu t'es tellement monté la tête avec ça que tu vas vraiment tomber malade. Ce sera plus jamais pareil sans le docteur Sam. Mais il se peut même que tu puisses te reposer un peu. Écoute-moi, mon chou. Rends-moi service pour une fois. Va gentiment jusqu'au bureau de Milton Porter et renseigne-toi pour savoir où on en est de ce contrat des droits pétroliers. Bonjour, Madame Fletcher. Ah, bonjour, Docteur Ellison. Vous sortez encore? Ah, c'est vrai, oui. J'attends un ami qui doit passer me prendre. J'ai pensé qu'un peu d'activité me ferait le plus grand bien. Ah oui, mais ne forcez pas, surtout, que mon premier jour à la tête de l'hôpital ne soit pas gâché. Oh, à la tête? Les administrateurs nous ont nommé, le Docteur Kenyon et moi, comme directeur. Nous dirigerons l'hôpital à tour de rôle. Alors, toutes mes félicitations, et soyez sans crainte, je serai raisonnable. Embaucheront-ils quand même cet autre docteur? Quel autre docteur? Vous savez, celui que le docteur Garver avait embauché pour occuper votre poste. Où était celui du docteur Kenyon? Oh, Kenyon, croyez-moi. Vous savez, le vieux n'appréciait guère mes origines, mais il savait reconnaître un bon médecin quand il en trouvait un. Il vous avait dit ça? C'est exact. Comme c'est curieux. Je croyais que le docteur Sam ne faisait jamais de confidence à ses subordonnés. Voilà mon chauffeur. À bientôt, docteur. Hier soir, le docteur Sam a passé un appel téléphonique à l'hôpital. Je l'ai écouté avant de passer vous chercher. Écouté? Oui, Marge Horton, l'infirmière en chef, un répondeur sur son poste. Le docteur Sam l'appelait parfois pour y laisser des instructions au sujet des patients pour le lendemain. Il y a une heure, elle m'a fait transmettre la cassette. Écoutez. Marge, c'est moi. Plusieurs choses pour demain. Primo, je serai en retard. Je veux que Peabody se lève. Et marche. Tant pis s'il se plaint. Secondo, mettez Sadie Winthrop au jus de carotte. C'est pour son bien, elle est trop nerveuse. Et autre chose. Le cas de cette infirmière Wells commence à devenir très ennuyeux. Voilà qu'elle se prend pour un médecin. Trouvez un prétexte quelconque pour vous en débarrasser. Bon, je vais me coucher. Que mes instructions soient suivies, hein. À demain. C'est la deuxième pièce du puzzle. Nous savons qu'elle a eu la possibilité. Maintenant, nous avons le mobile. Oh, malivère. Oh, voyons, Madame Fletcher. Oh, lieutenant. C'est vous qui êtes venu, rappelez-vous. C'est vous qui m'avez demandé mon aide. Madame, je vous ai demandé de mettre de l'ordre dans ces faits. Et vous défendez cette fille en vous basant sur des conjectures. C'est ce que j'appelle lire dans les gens. Mais si vous voulez vous en tenir au fait, tenons-nous-y. Très bien. Reprenons notre première hypothèse. Garver sort faire un petit tour et un cambrioleur le suit. L'enregistrement contredit cette version. Il disait qu'il allait se coucher. Comment se ferait-il alors que son corps ait été retrouvé ici, dans ce bassin? Non. Tout ce scénario à l'extérieur a été soigneusement mis en scène. Le meurtre a dû avoir lieu à l'intérieur de la maison. Il était assis à son bureau. Il venait juste de téléphoner ses instructions. Il raccroche. Il lève les yeux et bang! Je suppose que ça aurait pu se passer comme ça. Non, l'angle n'est pas correct. Mais admettons que je m'approche un peu plus. Ceci est plus proche d'un angle de 45 degrés. Vous prouvez uniquement que Mademoiselle Wells aurait pu le tuer. Seule une personne qu'il connaissait bien aurait pu l'approcher autant. Et vous prétendez que Jenny aurait pu traîner son cadavre de cette pièce jusqu'au bassin? Elle est infirmière.
Elle a l'habitude de transporter des malades ici et là. Et puis pourquoi avoir mis le cadavre dans le bassin? Le bassin était chauffé, et cela à cause des poissons. Ce qui rend l'heure de la mort moins précise. Moins précise? Le garde est arrivé à 23h15 et la voisine a entendu le coup de feu vers 23h05. Comment l'heure pourrait-elle être moins précise? Est-ce que vous avez des cartouches à blanc pour votre pistolet? Ça va être facile à se procurer. Alors, je voudrais essayer quelque chose. Vous avez des caméras qui sont cachées quelque part, n'est-ce pas? Alors, où les avez-vous placées, de l'autre côté des fenêtres? Il n'y a aucune caméra. Vous n'allez pas me faire croire que ce charmant jeune homme était vraiment un flic. Dites-moi, quel produit voulez-vous que j'essaye? Du café? De la lessive? Oh, croyez-moi, ça m'est complètement égal. Moi, ces trucs-là, j'en raffole. Vous n'avez qu'à me dire celui que je dois préférer. Oh non, ceci est vraiment une affaire de police. J'ai entendu dire que de nos jours, on pouvait cacher une caméra télé dans le creux de l'oreille. On s'en est pas cru un traître de mots, bien entendu. Oui. Oui, oui, lieutenant, je suis prêt. Est-ce que le son de votre télévision est aussi fort qu'il l'était l'autre soir? Ah oui, il est toujours comme ça. Vous savez, d'environ 12 ans, j'ai failli passer à Carnaval Folie. J'étais allée déguisée en grenouille. C'est ça. C'est exactement comme l'autre soir. C'est exactement ce que j'ai entendu. Ça a marché. Oui, ça a marché. J'ai entendu le coup de feu. Alors, j'ai gagné quelque chose. Vous avez entendu un coup de feu? Un seul coup de feu? Oui, un coup. J'ai tiré deux coups de feu. Oh, zut, j'ai encore perdu. Un à l'intérieur de la maison, l'autre à l'extérieur. Celui de l'extérieur a été tiré pour tromper sur l'heure de la mort. La question est de savoir qui a tiré. J'ai peut-être droit à plusieurs essais. Bonsoir. Madame Fletcher, vous m'avez fait peur. Mademoiselle Horton, je me demandais si je pouvais vous poser des questions sur le docteur Garver. J'ai énormément de mal à imaginer quelle pouvait être sa véritable personnalité. Oui, je veux bien le croire. Ici, personne n'a jamais compris qui il était vraiment. Il était un médecin merveilleux. Un génie. Je pensais à quelque chose de moins impersonnel. Pourquoi s'adresser à moi? Parce que je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer votre réaction quand vous avez appris sa mort. Et j'ai aussi écouté la bande, celle qu'il a dictée hier soir. Le ton était plutôt chaleureux. Et pardonnez-moi, cela n'était pas le cas dans ses rapports avec les autres gens. La vérité, c'est que nous avions des relations intimes. Est-ce cela que vous voulez entendre? Oh, ce n'était un secret pour personne. Et ce matin, lorsqu'on m'a appris qu'il était mort, je suis rentrée chez moi, j'ai éclaté en sanglots. Je suis revenue à l'hôpital. Pour l'heure du déjeuner, je croyais que je serais assez forte. Et j'ai écouté la bande sur le répondeur. Quand j'ai entendu sa voix, j'ai été... Mademoiselle Horton! Mademoiselle Horton, venez vite! La police est dans les vestiaires! Ils ont un mandat de perquisition! Quoi? Lieutenant, que s'est-il passé? Voyez-vous-même. De quel droit êtes-vous là? J'ai un mandat de perquisition. Nous avons eu un tuyau. Quoi? Par qui avez-vous eu un tuyau? Le type n'a pas donné son nom. Ce n'est pas à moi. Jamais je ne l'avais vu avant.
Bouclez-la pour homicide volontaire. Madame Fletcher, je sais que vous êtes innocent. Voyons, lieutenant, vous commettez une terrible erreur. Le mobile, l'occasion et maintenant le moyen. Ce sera au service balistique de dire s'il s'agit de l'arme du crime. Bien entendu que cette arme est l'arme du crime. Il ne peut s'agir que de l'arme du crime, elle est victime d'un coup monté. Hein, qu'est-ce que tu veux faire? Non, dis donc, fiston, t'es dingue. Tu ne veux pas faire payer la caution pénale pour ce bandit-là? Il est trop dangereux pour être remis en circulation. Il le sera bien assez tôt quand je l'aurai fait acquitter. Pas question. Donc, comme je vous le disais, Madame Fletcher, le docteur Sam était l'un de mes meilleurs clients. Un homme très bien. Plusieurs fois, je l'ai fait libérer sous caution, pour incurie professionnelle, avant de passer au tribunal. Oui, mais nous en étions à la caution pénale de Jenny Wells. Oui, oui. Je ne suis pas certain de pouvoir faire quelque chose pour elle. L'arme du crime a été de toute évidence placée délibérément dans son casier par le véritable assassin. Il se peut que ça vous semble évident, Madame Fletcher, mais... Oui? Le docteur Kenyon est là, monsieur. Il vient de l'hôpital. Il dit qu'il est très important qu'il vous parle. Non, faites-le entrer. Il vient peut-être faire des aveux, hein? Oh, ça, j'en serais fort étonnée. Monsieur Porter, je suis le docteur Wesley Kenyon. On s'est brièvement rencontré l'autre jour à l'hôpital. Madame Fletcher? Que puis-je faire pour vous, docteur? Je viens au sujet de Jenny Wells. Oui, mais comme je le disais, Madame Fletcher... Sachez que l'hôpital lui accorde entièrement son appui et que nous assumerons tous les frais légaux qui seront engagés. Ah, vraiment? Tous les frais, c'est un geste magnifique, docteur Kenyon. Déjà hier soir, Ellison aurait dû lui venir en aide sans attendre. Oh, il n'y a pas de mal, docteur. Bien sûr, vous vous rendez compte qu'il pourrait s'agir là d'un procès long et coûteux. Cela n'a aucune importance. Comme Madame Fletcher, je suis persuadé qu'elle est innocente. Je prends cette affaire avec joie. Les 12 yeux du Texas sont rivés sur vous pour toute la vie, chérie. Vous jouez. Dam, didam, tadam, perdu, cher Sadie. Mais ça aurait dû être le valet. Qui gagne? Je lui mets la pâtée. À qui vous mettez la pâtée? Ah. Allez, donnez les cartes, donnez les cartes. Mon Dieu, 6,80 $, vous êtes des vrais flambeurs tous les deux. En fait, nous ne jouons pas pour l'argent, mais pour le plaisir. Quoi qu'il en soit, j'ai un adversaire émérite. Merci de le reconnaître, barbe. Et votre avocat de choc? Il accepte de défendre Jenny et tous les frais de justice sont réglés par l'hôpital. Est-ce que quelqu'un désire quelque chose? Volontiers un peu de thé. Café, trésor, un bon café noir. Et double surtout. Donnez-lui son jus de carotte. Et j'en prendrai un moi aussi. Je commence à aimer ce truc-là. J'ai peur que votre cerveau commence à se ramollir, Barney. Et vous, vous essayez de vous suicider à la caféine. Je croyais que le mois prochain, nous devions aller à Hong Kong. Nous? Hong Kong? Serait-ce une invitation? Bien sûr que c'en est une, mais si vous vous ruinez la santé... Si vous voulez me suivre, il va falloir prendre des vitamines. Bon. Jessica! Jessica, où allez-vous? Veuillez m'excuser un instant. L'aurions-nous froissé? Oui, c'est Madame Jessica Fletcher. Je voudrais le lieutenant Jenkins, s'il vous plaît. Mais ça m'est égal, je manque de savoir pourquoi et où il est occupé. Ce que je veux, c'est lui parler tout de suite. Je vous repose la question, docteur. Est-ce votre pistolet? Seriez-vous idiot? Je vous ai dit non, je n'ai même pas de pistolet. Vous n'êtes qu'un menteur, Ellison. Vous m'avez dit en avoir un dans votre voiture. Je
vous ai dit beaucoup de choses, mais pas forcément toutes vraies. Lieutenant, pourrions-nous savoir où vous voulez en venir? J'ai eu un tuyau au sujet de cette arme, monsieur l'avocat. Lieutenant. Madame Fletcher. Lieutenant, qu'est-ce que vous faites là? J'interroge le docteur Ellison au sujet de l'arme du crime. Mais pour quelle raison est-ce lui que vous interrogez? L'arme vous a-t-elle permis de remonter jusqu'à lui? Eh bien non, mais... Ah, alors c'est ridicule. Pourrais-je vous parler? Un instant, cela seul. Excusez-nous. Lieutenant, qu'avez-vous à la place de la cervelle? Attendez un peu. Le pistolet, c'est une idée à vous. Vous avez dit que c'était celui du docteur Ellison. J'ai dit que j'avais entendu dire que le docteur Ellison avait un pistolet. Je n'ai jamais dit que celui-ci lui appartenait. Non, mais vous me l'avez laissé supposer. Avez-vous fait des recherches pour savoir si ce pistolet correspondait à un permis de port d'armes? Avez-vous vérifié tous les permis de port d'armes de l'État? Madame, je connais mon métier. Vraiment, je me le demande. Savez-vous que le FBI possède un... Elle qui semblait si douce, c'est étonnant, cette crevée. Comme quoi, il ne faut jamais se fier aux apparences. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça veut dire? Je n'en ai pas la moindre idée. Quoi qu'il en soit, une chose est certaine, cette femme a du cran. Oh, je vous remercie, monsieur Porter. Bon sang, attendez, mais qu'est-ce que ça veut... Ça va, lieutenant. Vous pouvez sortir maintenant. L'époque du Far West est révolue et le shérif qui tabasse le suspect pour le faire avouer, c'est terminé. Personne ne vous a demandé de vous mêler de ça. Ah non, c'est bien vous qui me l'avez demandé, si je ne m'abuse. Marge, est-ce que je me trompe ou n'avons-nous pas entendu une discussion semblable avant-hier, le soir où le docteur Garver a été assassiné? Oui, c'est exact. Je ne vois pas du tout ce que vous essayez de prouver avec vos tours de passe-passe. Seulement que l'un de vous, ou même vous deux à la fois, pouviez être en deux endroits en même temps. Ce qui donne la preuve que vous avez tué le docteur Garver. Et je dois avouer que c'est grâce à vous que j'ai été mise sur la piste, docteur Kenyon. Moi? Le matin qui a suivi l'assassinat, sur les ordres du docteur Garver, vous avez fait passer Sadie Winthrop du café au jus de carotte. Mademoiselle Horton n'a pas écouté le message enregistré avant l'heure du déjeuner. Il n'y a qu'une seule explication pour que vous ayez pu être au courant de ces ordres. C'est que vous étiez encore dans la maison lorsqu'il les a dictés sur le répondeur téléphonique, juste avant d'être tué. Écoutez... Mais vous avez dû le tuer avant 23 heures. Quelqu'un d'autre a dû se rendre chez lui, déconnecter le système d'alarme, tirer un coup de feu pour établir une fausse heure de la mort, qui se trouve coïncider avec l'heure où nous avons entendu cette vive querelle que vous auriez eue dans le bureau. Dites-moi, docteur Ellison, que dites-vous de tout cela? Ellison ne répondait pas. Je savais que ça foirerait. Jamais je n'aurais dû vous écouter. Ils n'ont pas le moindre indice. Vous croyez? C'était une idée à lui. Mais j'étais d'accord. Si vous nous disiez ce qui s'est réellement passé... Kenyon a dit bonsoir au docteur Sam lors de la réception, mais il est resté. Quand tout le monde a été parti, il est allé dans son bureau. Docteur Sam était au téléphone. Quand il a raccroché, Kenyon l'a abattu avec mon pistolet. Puis il a transporté le cadavre dans le vestibule. Il a pris les clés de la porte d'entrée dans les poches du docteur Sam, puis il a jeté le corps dans le bassin afin que l'eau chauffée rende l'heure de la mort plus difficile à déterminer. Il a branché le système d'alarme, puis il a quitté la maison. Quand il est revenu à l'hôpital, on a fait semblant de se disputer. On est entré dans le bureau où on a passé une bande d'altercation préenregistrée. Puis je me suis faufilé par la porte de derrière. Je suis allé chez le docteur Sam, c'est qu'à 5 minutes d'ici. J'ai ouvert la porte d'entrée, ce qui a enclenché le système d'alarme. J'ai jeté les clés à l'intérieur et j'ai tiré un coup de feu en l'air. Je suis revenu comme j'étais parti. Et je suis sorti du bureau après Kenyon. Pas tout à fait.
Vous avez placé ce pistolet dans le casier de Jenny, et cela après qu'elle soit devenue suspecte. Il fallait coller ça sur le dos de quelqu'un. Le pistolet ne pouvait conduire à aucune piste. C'est encore une de ces fameuses idées du Toubib sorti premier de sa promotion. C'était une excellente idée. Le seul tort que j'ai eu, c'est de la partager avec un crétin tel que vous. Oh, ouais, doucement. Calmez-vous. À vous voir, quelqu'un pourrait croire que vous vous détestez tous les deux. Je suis bien contente que vous ayez été là pour m'aider. Oh. Mais pourquoi ont-ils fait ça? Pour simplement une question de survie. Incessamment, l'un des deux allait être remplacé. Sa carrière serait gâchée. Ils ont décidé de mettre toutes leurs divergences de côté, de régler son compte au docteur Sam avant qu'il ne puisse régler le leur. Et me mettre ça sur le dos. Alors, il faut bien reconnaître que vous étiez un bouc émissaire bien commode. Je ne sais pas comment vous remercier, Madame Fletcher. En exerçant le métier que vous avez choisi. C'est une profession qui a besoin de gens comme vous. Oh, j'y pense. Pourriez-vous m'écrire pour me dire comment s'entendront nos tourtereaux? Ah, Sadie et Barnett, je vous tiendrai au courant. Au revoir, ma petite Jenny. Au revoir et encore merci. Madame Fletcher. Oh, Seigneur. Ah, bonjour. Mais dites-moi, vous êtes resplendissante ce matin. Monsieur Porter, j'ai été heureuse d'apprendre que l'affaire Harold Endicott était réglée. Réglée, non, mais il se trouve qu'ils ont renoncé grâce à vous. Et surtout, ils ont eu peur de mon talent oratoire. Je regrette que vous ne veuilliez pas prolonger votre séjour. J'aurais pu obtenir jusqu'à 200 000 $. Oh, mais j'en suis certaine. Oh, peut-être que non. Peut-être que je n'aurais pas eu le temps, en fin de compte. Figurez-vous que j'ai accepté une nouvelle affaire. Ah. Oui, deux docteurs accusés du meurtre de leur employeur, avec préméditation, un tyran insupportable, à ce qu'il semblerait. Vous voulez dire... Oui, c'est ça, Kenyon et Ellison. Mais c'est ridicule, vous pouvez ne pas gagner ce procès. Madame, un gagnant ne construit pas sa carrière sur des échecs. Si vous permettez que je vous accompagne à l'aéroport. Merci, vous voyez, ce taxi m'attend. Au revoir, monsieur Porter. Au revoir. Madame Fletcher, c'est tout ce que vous avez à me dire après tout ce que nous avons vécu. Un petit au revoir. Ah, j'ai quelque chose à ajouter. On se revoit un de ces jours devant un tribunal.